il existe une espèce à laquelle les prédateurs se frottent rarement. La géante de la savane, la girafe adulte. Âgé de seulement quelques jours, ce girafon mesure déjà plus de 2 mètres. Le plus grand animal de la planète a tout ce qu'il faut pour survivre dans la savane équatoriale. L'une des théories sur le sujet avance que c'est la raréfaction des forêts tropicales qui a provoqué l'allongement du cou de la girafe. C'était le seul moyen pour elle d'accéder aux feuilles du sommet des rares grands arbres qui poussent ici. Celles des acacias sont très nutritives, mais elles sont aussi protégées par des épines de 7 cm. Les cueillir demande du savoir-faire. Une technique que le girafon doit rapidement maîtriser pour survivre. La langue de la girafe présente d'épaisses bosses appelées papilles, qui évitent les blessures. Et sa couleur violacée la protège des coups de soleil. Les girafes peuvent facilement atteindre le haut des arbres. Mais quand il s'agit de se baisser pour boire, c'est une autre affaire. La position a l'air peu commode, mais l'afflux de sang dans sa tête devrait être encore plus problématique. Ce sont des veines spécifiques qui régulent la quantité de sang qui arrive au cerveau. La girafe présente plusieurs caractéristiques curieuses et les bosses qui ornent sa tête en font partie. Ces ossicônes nous donnent un indice sur la manière dont les girafes ont évolué dans les plaines équatoriales arides.